Ma deuxième maison. On est le 7 novembre 2021 et ça fait un an que j'ai posté ma première vidéo au local. Je pleure pas. C'est très particulier de me dire que ça fait déjà un an que je suis là. Il y a un sentiment qui est archi partagé entre eux. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Je me rappelle de tout, vraiment je me rappelle de tout. Et en même temps, il s'est passé tellement de choses les gars, Regardez mon petit bureau, maintenant j'ai carrément un petit fond qui est assez mims. Je peux carrément faire des vidéos ici, genre c'est trop kiki. D'ailleurs je vais faire un petit update de mon bureau parce qu'avec le changement du local, si jamais vous avez pas vu, mon bureau a un petit peu évolué depuis la première fois que je l'ai construit ici. Bon après il a pas trop changé, je vais pas vous mentir non plus, il a vraiment pas trop changé, toujours à la même place. En vrai les gars, je vais pas vous mentir, mon petit coin je le kiffe de ouf et je me voyais pas aller à un autre endroit du local parce que tu vois tout le monde a mis sa petite identité un petit peu quelque part et genre je sais pas, ce coin du local c'est chez moi, c'est ma maison, je voulais pas bouger. Mais il a quand même beaucoup plus de gueule que quand je suis arrivée, qui se rappelle là il y avait le vieux frigo là, les trucs dégueulasses, la poubelle à côté de moi. Là j'ai quand même un endroit qui est carrément trop stylé, toujours le même bureau, il en a vu des vertes et des pas mûres. Les petits dessins il y en a beaucoup qui sont un petit peu effacés mais on a toujours le dessin de Bastos, le petit certif de Bouzy. Entre temps j'ai été certif sur YouTube, c'est ma seule certif pour l'instant. Dobby qui a fait un petit Simpson, Pidi avec son petit dozo, ça c'est celui de Matisse, il est un petit peu effacé, les petits cupcakes de Romain Gamin, le carré dans le Banks de Fab, la voiture de Bouzy, le bouseux, la girafe de Mich, t'es à ta place de Romain, ça je crois que c'était Vincent qui avait fait ça. Très peu d'implication Vincent. Depuis le changement du local il y a quelques petits trucs qui se sont ajoutés, j'ai notamment un petit truc comme ça là où je peux mettre mon petit matériel. J'ai chopé une petite plante pour un petit peu de verdure, une petite lumière, mon petit comment ça s'appelle déjà, truc pour faire de la peinture quoi, des roses, c'est Romain Gamin qui me les a offerts, petite plante, petite photo avec Bouzy. Voilà les gars, ça c'est chez moi. Sans mentir, j'ai dû passer, si ce n'est plus, mais au moins autant de temps ici que dans mon vrai appartement. Même je pense qu'en vrai j'ai passé plus de temps ici que dans mon vrai appartement. Ouais. Ça fait trop bizarre de voir ce lieu et de me dire la première fois que je suis venue, genre je m'attendais pas à rester aussi longtemps, à vivre autant de choses. Quand je suis arrivée ici, je pensais, tu vois, ça allait être l'histoire de quelques mois et puis qu'après l'aventure elle s'arrêterait, tu vois. Alors qu'en fait, pas du tout, genre là ça va faire un an et ben ça s'arrête pas quoi, ça continue. Lequel va faire plus mal? Celui-là, je pense. Celui-là. Donc je commence par le petit. Le petit, il va piquer plus que lui. Celui-là, ok. Regarde. Viens voir. Théa, c'est vraiment le cliché de la parisienne au camping. Tu rigoles ou quoi? Moi, j'ai déjà fait du camping. Hein. Ah, ils sont là! Je touche du bois mais genre ça a trop changé ma vie. Je dis toujours Bouzy c'est ma petite étoile. J'ai commencé les vidéos il y a au moins 4-5 ans en arrière. Je me suis donné les moyens de continuer ma chaîne et c'était vraiment juste purement pour le kiff parce que j'adore faire des vidéos. J'ai grave taffé aussi avant et c'est ça qui a fait qu'il a choisi mon profil. Ma fierté elle est là tu vois. Je suis trop contente. Putain mais la fragile c'est trop. Je suis trop une fragile moi dans ma vie. Bouzy tu sais que ça fait un an que je suis arrivée au local. Un an là? Ouais. C'est incroyable. Du coup, comme quoi le temps passe. C'est moi qui régale ce midi. Oh yes! Allez! De toute façon, c'était prévu que je paye pas. Ah bah oui. Let's go! On est dans ma voiture, c'est Bouzy qui conduit, il va me la casser, je le sens. Gros comme une maison. Il y a moyen que j'abîme un peu. Il roule à 70 en seconde, je suis en PLS. Je fais ronfler. Après, faut décrasser un petit peu, c'est important. Ouais. Arrête, arrête, arrête. Non mais là, tu vas me mettre en première en plus. Non mais là, tu vas me la casser là. Tout va bien, Théa, tout va bien se passer. C'est une Dacia Sandero, c'est fait pour encaisser les chocs aussi, tu vois. Ça sent cramé, hein. Ça sent l'essence, mec. Ouais, non, ça va. Bah, je te jure. Mais t'abuses, Théa. Non, mais t'as senti ou pas? Ça sent. C'est notre truc préféré avec Bouzy, c'est incroyable. Viens, on trinque à mes un an d'arrivée au local. Ce matin, je vous ai pas dit, mais Chine. Je suis passé à Fun Radio. Viens, on trinque à mes un an au local avec ta bouteille d'eau. La bonne dragounette. Ce que j'aime bien, c'est que Zach, quand elle réagit, c'est vraiment en mode. Toujours trop. Mais toi, ça fait pas un an, hein. Tu trinqueras l'année prochaine. Toi, c'est à tes 2 semaines ou 3 semaines. Ou un mois. Un mois. Un mois. Est-ce que tu te rappelles la première chose que tu t'es dit quand je suis arrivée au local? Oh putain, elle est moins belle en vrai qu'en vidéo. Top. Est-ce
impressionnant. En plus, non, je rigole, je me suis pas dit ça du tout. Je me suis dit quand je t'ai vu la première fois que t'étais grande. T'es un peu timide au début parce que je t'avoue que tu te mets dans le bain direct. Je te passe en un entretien d'embauche avec PD, tout le monde. En plus, en plus là pour ouais, ouais. Moi, je te pose des questions méga gênantes ou chiantes, tu vois. Du coup, bah, t'es en mode. Putain, bizarre quand même. Je me rappelle, t'étais descendu sur le parking et tout. Moi, j'étais venu avec un taxi et je savais pas du tout c'était où l'entrée. Ouais. Et t'étais à l'autre bout du parking, tu l'avais fait. Ouais, c'est vrai. On n'est pas tous pareils. Alors, on est très différents d'ailleurs, chacun. Et chacun apporte quelque chose de différent à la dynamique du groupe. Et c'est ça qui fait que notre groupe, il est comme il est, je pense. Je suis super reconnaissante d'être tombée ici avec eux, parce qu'au final, quand j'ai envoyé ma vidéo, en soi, je les connaissais pas personnellement. Ça fait trop plaisir d'être entourée au quotidien de bonnes personnes, de gens qui sont sur les réseaux, mais qui font ça par passion, qui sont toujours dans la bienveillance par rapport aux personnes qui sont autour d'eux, qui ont toujours été là pour me donner des conseils ou pour m'accompagner quand je suis arrivée, parce que c'est pas forcément simple d'arriver du jour au lendemain, d'être exposé. Quand je suis arrivée, j'étais un bébé par rapport à ça, tu vois, même par rapport à beaucoup de choses d'ailleurs. Le fait d'être avec eux, de pouvoir compter sur eux, qui m'ont épaulée comme ça, c'est ça qui m'a fait grandir, parce que j'ai énormément changé autant dans ma manière de créer, ma manière de voir mes réseaux et tout, que dans ma vie perso et dans ma personne. J'ai passé des moments incroyables, mais genre avec chacun d'entre eux, il y a eu des moments fous. Il va pleuvoir. Allez, on active. Allez, on s'active là. Ceux qui mettent pas leur pied dans l'aéroport. Franchement là, c'est dur. Enlève. Parti. C'est un papillon de venir. Qu'est-ce qui se passe? C'est Johnny. Allez, Mathis. Allez, Mathis, allez, rigoler. Allez, fleurs. Quel talent, Pape, quel talent. Et on reconnaît qu'il y a un petit geste qu'on reconnaît quand même là. Je veux pas manquer. Ça part, ça part. Tu pleures. Tu dors pas là. Merci. Tu vas bouger, ça va là. Tu as mangé quelque chose? Vous avez une serviette? Tous mes premiers moments au local, ils sont beaucoup associés à Bouzy, parce que c'est comment décrire le rôle de Bouzy, je sais pas. Dès que je suis arrivée et tout, il m'a prêté son matos, il m'a montré comment faire, il m'a conseillé, il m'a appris plein de trucs. Il a toujours répondu présent sur n'importe quel tournage que je lui ai demandé de faire. Il a toujours dit ok, vas-y, on le fait, vas-y, je reste et tout. Même des tournages où je sais que ça le faisait pas spécialement kiffer de rester, tu vois, genre la survie, rester dormir. Au gluten, j'en ai pas là. Il mange de la viande. C'est pas mal, on retrouve. Moi je suis végétarien. Il est végétarien? Non. Un peu. Montrez la caméra, ça va être mou. Ça va être mou quand tu vas le mâcher. C'est cata? Bah c'est pas ouf quoi. On va s'habituer. Ça va être bizarre. Il a pas l'air à fond non plus quand même. Elle vous dit, sur une échelle de 1 à 10, t'es... là t'as de la force comment là? Il ne répond même pas. Il s'est toujours rendu dispo dès que j'avais besoin de quelque chose ou genre, je sais pas. Ah, sa mère. Je vais bientôt être papa. Ouais. Moi aussi. Mais non. Non, des triplés. Mais non. Arrête. J'ai mis la cartouche. C'est pas parce que t'as baisé 3 fois la télé que va y avoir des triplés. Il va être papa. Avec Bouzy, évidemment, Mathis. Mathis, si vous savez pas, c'est aussi énormément grâce à lui que je suis là, parce que c'est Mathis qui a sélectionné ma vidéo et qui l'a montré à Bouzy. Mais c'est Mathis qui était en charge de regarder tous les mails et toutes les vidéos. Si Mathis m'avait pas senti, je ne serais pas là, les gars. Voilà, Mathis, de toute façon, pareil, je peux pas décrire l'importance... Là, je chiale à chaudes larmes, là. Oh, je suis mort, je suis trop sensible pour les vidéos comme ça. Impossible à tourner. Moi, je suis dans les émotions, voilà. Bon, ça, c'est pas une surprise, tout le monde le sait. Je fais que chialer dans ma vie. Mathis, c'est mon pilier depuis que je suis arrivée ici. Je parle comme les gens qui sont dans la télé, je suis mort. Oh, sa mère. Pareil, quand je suis arrivée, c'est un de ceux avec qui je passais le plus de temps dès le début, parce que c'est celui qui est tous les jours au local. Avec Mathis, on a des caractères qui sont très différents. Du coup, on s'engueule et tout, mais un peu comme des frères et sœurs, quoi. Ça dure jamais très longtemps, et maintenant, on se connaît tellement bien que, genre, on sait... quand est-ce qu'il faut arrêter de faire chier l'autre. Paul, Mathis, quoi. Fabien, pareil, c'est une des personnes avec qui je passe le plus de temps. Fab, c'est aussi quelqu'un que j'aime énormément. Il est très drôle, il fait toujours rire tout le monde. On a passé des moments ensemble, mais genre... Flaming Crush. Montre ce que t'as acheté. Pour le comptable. J'ai oublié de faire la séquence de course, pardon. Monsieur le comptable, c'est pour toi. On a fait moins cher possible, 92 ans. Est-ce que j'avais besoin, je pense pas.
Parce que là, je me régale. Pas plus d'une cuillère, de toute façon, tu peux pas plus d'une cuillère. C'est pour faire ta connerie, là. En fait, on vit tellement des expériences qui sont hors du commun que du coup, forcément, ça crée des liens beaucoup plus intenses rapidement. Comme ça. J'ai peur. C'est vrai, t'as peur? Ouais. Je filme le vlog du vlog, tu vois. J'avais un gonfleur électrique. Mais des bâtards! Pidi Valouz, c'est des personnes incroyables. C'est des gens qui sont purement, mais genre tu les vois, ils sont gentils en fait. C'est des bonnes personnes. Ils organisent des trucs chez eux, ils invitent tout le monde, ils sont hyper ouverts, hyper généreux, partant pour faire tous les tournages. On est là, un petit sac à dos. Attends, là t'es déjà perdu, là t'es. Mais ça, ça va être trop bizarre cette nuit, hein. Ah ouais, en fait y'a pas de voir. Super peur, ça se trouve. Romain Gamin, c'est aussi quelqu'un qui fait partie aussi de mes piliers au local parce que c'est vrai qu'il m'a énormément aidé sur beaucoup de tournages, archi gentil et du coup il veut aider tout le monde. C'est vraiment trop cool d'avoir quelqu'un comme ça au local. C'est aussi un petit peu celui qui prend soin de tout le monde, un grand soutien dans toutes les situations. Il arrive. Et il reste les inachevés. Pareil, les inachevés, c'est les personnes avec qui j'ai passé le plus de temps dans l'année. C'est des personnes qui sont, pareil, très gentilles, qui m'ont toujours conseillé aussi. À chaque fois que j'avais une question, ils ont toujours répondu présent. C'est des personnes que j'aime énormément et genre, c'est vrai que... Bref, et tous les moments qu'on a passés ensemble au local, c'est des bêtes de moments. Tu me regardes. Regarde. Ouais, je suis trop fraîche. Toi, un peu moins, par contre, donc tu peux... T'es pas chaud seul. Toujours, hein. Elle est éclatée au dans tout... Je te jure, on a rien préparé. C'est bordel. Je te jure, je suis pas dans le coup, Théa. La fin de vidéo, elle est parfaite grâce à toi. Ok, on dirait trop le gros JD, frère. On laissera juste le plouf. T'inquiète pas, la caméra cachée, elle est là. Non, mais après, il y a toujours un boulet dans un coup, en vrai. Non, parce qu'en fait, c'est mouillé. Non, mais ah, t'es mouillé, là. Ah, j'avais pas vu. Le gars, on va arrêter de chouiner. Je suis avec Mathis là, qui tient la caméra. Je vais aller acheter. Mais lui, mais les gens, mais vous êtes teuteux ou quoi? Mais il roule carrément à contresens là. Mais il est malade. Mais il est malade. Il est complètement con celui-là, c'est pas possible. T'es au volant, voilà. Mais non, attends, là, Mathis. Oui, que là, il était con quand même. Oui, il est con. Du coup, je vais aller acheter plein de trucs pour faire un gâteau. Je vais essayer de trouver des bougies si je trouve et des petits ballons. Et ça va être la fiesta. On va souffler une bougie quand même pour mes un an au local. Ouais. C'est quand même un anniversaire à célébrer. Avec du champagne. Je crois qu'ils vendent du champagne au Netto. Non, non. S'il y a du champagne, je crois qu'ils vendent du champagne au Netto. En frais de société. En frais de société, voilà. On va faire un petit unboxing pour le comptable. C'est un truc de surprise. Viens, je prends ça. Je sais même pas ce qu'il y a pu y avoir dedans. C'est une piñata ou un truc du genre, c'est sûr. Vas-y, c'est un anniversaire, vas-y, je prends ça. T'en veux un, Mathis? Non, merci. Non? Moi, je préfère un 4K. Ouais, t'inquiète, je vais le faire. Fort, ouais. Ouais, ouais, ouais. Allez, là, okay, je crois que. Si on avait un tire-bouchon pour ouvrir le champagne. C'est du champagne, ça? C'est pas du champagne. Champagne? Regarde, champagne, champagne, champagne. Ça? Champagne brut, champagne demi-sec. C'est-à-dire quoi? C'est quoi la différence déjà? Pour moi, un truc mouillé peut être sec, quoi. Celle-ci, elle m'inspire en vrai, elle est stylée. Plutôt gâteau au chocolat, non? Plutôt genre celui-là. Ou marbré. Ah, marbré, c'est bien. Non, chocolat. Ok. Regarde, vous-y. J'ai acheté du champagne. Ah, oh, oui, d'accord. Ah, le gâteau est prêt! J'ai préparé un gâteau pour mon anniversaire au local. Bouzy. J'y regarde, j'ai préparé un gâteau pour mes un an au local. Je pense que c'est le pire gâteau qui existe. Oh non. Oh non, mec. Non mais c'est bon là. J'ai acheté une préparation, j'ai touillé, le fouet, tout ça. J'ai l'impression que c'est pas vrai. Ça fait 30 minutes que je le fais, du coup ça me fait plaisir que vous le trouviez cool parce que... Parce qu'il y a 5 minutes, t'étais sur ton bureau assis. Tu l'as emballé et tout. Mais j'étais en train de fouetter quoi. Moelleux au chocolat, ça ressemble à un truc fait maison ça. Et ça se trouve on va se faire nous-mêmes niquer et ça se trouve c'est vraiment une préparation. Je commence à faire mon gâteau. Bah du coup je vais commencer à préparer mon gâteau que je vais faire avec amour. J'arrive pas à ouvrir la préparation pour faire mon gâteau. J'ai failli faire tomber ma préparation par terre. À la main, sans gants bien sûr. Oh mais putain t'es vachement résistante à la chaleur Théa. Comment ça se fait? D'où te vient ce don? Regarde, en plus j'ai fait vraiment un effort en plus de présentation. J'ai mis des petits copeaux de chocolat par dessus. Enfin beau. Vraiment je vais demander aux autres qu'est-ce qu'ils en pensent. Deuxième gâteau tu l'avais emballé. Ben ouais. Oh là. Ben ouais. Ouais c'est pour la conservation. Ben ouais ouais ouais. J'ai acheté du champagne. Est-ce que tu pourras faire péter bouche? Ah ouais. Pas dedans quoi. Ça s'envoie. Il est pas du tout au milieu. Ah. Oh là là.
Tu lui as fait mal à la tête, ça a pas la tête ou quoi là? Ah, je me suis fait mal toute seule. Ouh. Les gars, officiellement, ça fait un an que je suis arrivée au local, du coup je vais souffler ma bougie. Attends, je pète, on va voir. Attends. Non, pète pas sur le 4 quarts. Non, pète pas sur le 4 quarts. Trop de balles. 365 jours. Joyeux anniversaire, les gars. Attends, ça a l'air d'être de la merde. C'est tout? T'es mort? T'as un super bracelet! Mais non. Mais attends, mais vous foutez de la gueule de qui là, Netto? Pourquoi y'a un morceau de journal? Mais attends, mais c'est un scandale! Y'a un cheveu! T'es trop. Ah, what the fuck? Y'a un cheveu! Vas-y, je fais péter le bouchon en direction de. Attends, j'ai jamais fait ça de ma vie. Hein. Et quand tu sens que ça arrive. Oh, ça pétait dans ta main! Je suis tendu là! Je suis tendu! C'est nul! Wouh! C'est la fiesta, les gars! C'est la fiesta! Regarde ça! Non, mais. Oh, mais non! Allons sur les nacs toutes neuves qu'elles sont! Merci. Bon, Théa. Chine. Ah, t'es un an. Ouais, super, ça chine avec vous. Mais... Je chine avec tout le monde. À chaque gorgée, on peut te trinquer. Hein. C'est juste, ça porte malheur de trinquer et de reposer. Ah ouais? Y'en a, ils disent de. Ah, chine! Ah, t'es un an. Chine. Ah, oui. Chine, pas. Le blaze, le son après. Putain, mais qu'est-ce que je cuisine bien? Retour à la maison. C'est la fin de cette petite journée anniversaire, de cette petite vidéo anniversaire. Je voulais finir cette vidéo par remercier les personnes principales au final de tout ça. J'ai passé une année incroyable grâce aux gars, grâce au local, mais j'ai aussi passé une année incroyable grâce à vous. Je voulais encore une fois vous remercier tous de me suivre tous les jours, de m'envoyer des messages, de regarder les vidéos. C'est fou et je m'attendais pas à être suivie par autant de personnes aussi vite, d'avoir autant de messages positifs et tout. Enfin, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de retours sur mes vidéos, surtout. Et du coup, voilà, je suis trop contente. Voilà. Donc merci énormément à chacun d'entre vous. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Que l'aventure continue. La bise.